Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ouvre avec un petit pincement au cœur parce que c'est notre dernière émission de la saison. Je vous le dis pour que vous la regardiez avec autant de passion que je vais la faire parce que pour la première fois, je vous présente donc mes chroniqueurs. Première, dernière fois, nous aurons Maître Hélène Sévigny, il sera question d'homosexualité. Monsieur Richard Junot va retracer certains gestes de certains artistes, ce sera spécial. Le courrier intime, nous le ferons Nathalie Suzanne et moi-même. Sophie Stanquet vous parlera de mode, bien sûr, comme à l'habitude. Notre invité, monsieur Benoît Marlot, et nous parlons du baiser avec Sylvain-Claude Filion. Bonsoir Sylvain-Claude. C'est-tu le fun, hein, s'embrasser? Et que j'aime ça! Il paraît que nos vies amoureuses sont marquées par ça, par la suite. Et puis ça doit être vrai, parce que la première fois que je me suis fait embrasser, je devais avoir 15 ans, et le monsieur, le jeune homme qui m'avait embrassée, avait été tellement gêné qu'il a ouvert la porte très, très vite et qu'il a attrapé l'escalier le menant vers l'extérieur. Mais c'était l'hiver. Il a attrapé aussi la glace. Il a descendu ça sur les fesses et je me suis toujours demandé, à chaque fois que j'embrasse quelqu'un, comment ça se fait que personne tombe de haut comme ça? C'est le danger. Ça m'a déçue. Il y a de quoi, mais le baiser, on dit toujours qu'on juge son amant ou son amante ou sa maîtresse à la façon dont il ou elle embrasse. Hein? Ouais. C'est un grand test. Sa passion. La personne la plus belle peut être de glace quand on arrive au baiser. Et d'ailleurs, pour avoir des conseils, si ton ami avait eu ce livre-là à 15 ans, il y a un livre qui explique comment vivre son premier baiser. Il y a un chapitre complet qui est consacré. Et c'est le baiser que tu as entre les mains de Xavier Fauche et Christiane Nedlin chez les éditions Stock. Uh-huh. Et c'est un livre qui ne parle que du baiser tout au long. Sous les différents aspects. On parle des origines de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, jusqu'à aujourd'hui, à partir des premiers baisers envoyés par la main, jusqu'au frottement de nez, jusqu'au baiser dégoulinant qu'on trouvait dans le cinéma, comme avec Love Story, qui nous avait donné profusion de ces French kisses. Je dois vous avouer, en fin de semaine même, je lisais un article qui disait, il y a une comédienne qui disait qu'elle refusait, elle, de donner des baisers parce qu'elle ne savait jamais sur qui elle allait tomber. Je le comprends, ça tombe sur un gars comme, je ne sais pas, moi, Khrushchev ou quelque chose comme ça. Mais Daniel Pilon, c'est pas pire. j'ai eu à voir ça. C'est pas pire. Ça fait plaisir. D'ailleurs, tu connais la définition médicale du baiser? J'ai un court extrait qui va nous illustrer. Alors, le jeune homme introduit sa langue entre les arcades dentaires de sa partenaire. L'introduction s'accompagne de mouvements de circumduction et de plongées pharyngiennes. Les langues fouillent alors, en sens contraire, les recoins de la muqueuse buccale, provoquant un excitement local qui, par l'intermédiaire des centres, retentit rapidement sur les organes génitaux de l'un et l'autre sexe. Ça doit être ça. Alors, je suis sûr que tout le monde pense à ça quand on embrasse, naturellement. Ce livre parle un peu de toutes sortes de baisers. Le baiser de la mère à l'enfant, oui. Le baiser dans l'art et la culture. Les deux se rejoignent, par exemple, avec le fameux tableau La Vierge et l'enfant, où le petit Jésus donne un baiser sur la joue de la Sainte Vierge. On parle du baiser historique, les grands baisers de l'histoire, comme les Français qui sont de grands embrasseurs. Il y a une photo célèbre qu'on trouve dans le livre où on voit Poincaré qui remet son bâton de maréchal au maréchal Foch. Oui. Et il y a un autre baiser célèbre de la France à cette occasion-là. On retrouve les baisers de la paix, ce qu'on appelle les baisers sacrés, les grands baisers de la terre. Et bon, les baisers de la terre, c'est-à-dire baiser le sol que l'on foule. Et je pense que Jean-Paul II, notre pape actuel, est un grand adepte du baiser de la terre. On a vu ça à surprise, surprise. On parle du baiser psychologique, oui, à surprise. On parle du baiser psychologique, le baiser magique, comme dans La Belle au bois dormant, qui est une espèce de leçon sur l'adolescence, où il faut attendre, laisser les eaux dormantes jusqu'au bon moment. Et c'est un baiser qui va éveiller tout ce qui a mûri entre-temps. On explique dans le livre pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse. On explique aussi... Mais ça, M. Junot nous l'a expliqué aussi. Ah oui, déjà? Ah oui. C'est vrai. Ah oui. On explique aussi que se passe-t-il quand on embrasse. C'est un autre extrait assez comique. L'activité thyroïdienne s'accroît. Suite à une décharge cortico-thalamique, le pouls passe de 75 à 150 pulsations. Oui, c'est bon pour le cardiaque, ça. Attention au micro. On a dû l'entendre. Et à la fin du baiser, on a brûlé 12 calories. Échanger 0,7 mg d'albumine. Tu veux pas, je vais être obligée de me trouver une bouche en permanence. Attends, t'as je pas fini. Pas de régime. Le pire est à venir. On échange aussi 0,45 mg de sel assorti de quelques enzymes et près de 250 bactéries. Ben, j'ai commencé à faire comme Howard Hughes, me déguiser en caoutchouc, m'enfermer dans le garde-robe avec ma boîte de Kleenex.
Non, quand même. Faut pas, on a prouvé que le baiser... On parle aussi du baiser de la mort. C'est différentes définitions. On retrouve l'étymologie du baiser, l'histoire du baiser, l'origine du mot baisodrome qui remonte à 1940. On raconte l'origine du mot baise en ville. On raconte qu'en 1918, il y avait des surveilleurs de baiser dans les gares parce que les gens profitaient de la cohue du départ des trains pour s'acheter seulement un ticket de quai pour faire semblant d'aller saluer des amis qui partaient. Ils en profitaient pour... s'abandonner à des ébats très juteux sur le quai de la gare, au milieu de la foule, parce que les amoureux étaient un peu proscrits, on ne pouvait pas s'embrasser sur les rues publiques, tout ça. Il y a eu énormément de controverses sur les baisers de toutes les époques. Et en terminant, j'aimerais ça te montrer, tu sais qu'en Italie, quand on dit baiser à la française, ça n'a rien à voir avec le French kiss. Ah non? On explique que, je vais t'en donner un, si la caméra ne suit, un baiser à la française, à l'italienne. C'est ça. Faut que ça fasse du bruit. Ben écoutez, quoi que ce soit qui arrive, moi je remercie à genoux la première personne qui a eu l'idée de le faire. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre et on est très heureux qu'il y ait des embrasseurs aujourd'hui et des embrassés comme moi. Sylvain Claude, merci. J'ai une sorte de baiser très bizarre, je vais te le montrer pendant la pause. Pendant la pause? Si je peux retrouver mon souffle par la suite. Je suis pas certain, je garantis rien. Un gros merci, et à la saison prochaine peut-être. Oui, bon été. Merci. Eh bien, en revenant, nous allons parler avec Maître Hélène Sévigny. Laissez-moi vous dire que le sujet que nous allons élaborer en est un très particulier.